Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un réel plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro. Je vous ai vraiment manqué après une bonne dizaine de jours qu'on n'a pas produit. C'était justement à cause de quelques choses qui n'allaient pas, indépendamment de notre volonté. La technique nous a compliqué, donc... Mais nous n'avons pas encore terminé ce que nous étions en train de faire pour venir vous servir de bon escient. Vous aviez peut-être vu des essais que nous faisions sur le direct et tout ça, parce que nous nous disons que ce que nous n'avons pas fait cette année et que nous avions voulu à ce que nous puissions vous amener cette année, que ça n'a pas été, nous voulons encore le relancer parce que nous avions acquis certains des matériels et que nous voulions essayer un peu de le mettre en service pour vous servir normalement. Donc l'absence que vous aviez constatée, c'était technique vraiment, parce que nous voulons essayer un peu d'aller un peu plus en avant. Donc relever un peu le défi de cette chaîne pour que nous puissions être vous amener des images de qualité et puis des suggestions de qualité aussi. Alors, aujourd'hui, donc, c'est encore une émission de réconciliation. Nous allons nous rattraper. Mais nous allons nous rattraper de quelle manière? En vous rappelant tout simplement ce que nous prenons ici à Contact Pro Live. Il y a beaucoup de vous qui m'aviez appelé, Germain Kewapi, Ozawapi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe beaucoup de choses. Sijé Bélé, nous sommes la fin du mois, tu avais promis que tu allais. Il y avait beaucoup de gens, vous m'aviez appelé, et c'est par là que quand je vois, tant on a mona, tant on a yoka kakeboza kobenga bongo, je me sens un peu poussé en me disant effectivement ce que je fais sert à quelque chose. Il y a beaucoup de choses dont on va parler, mais nous allons rester toujours sur notre ligne. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, vous apportez la solution. Ici, à Contact Pro Live, vous savez bien que nous mettons la solution sur table en disant « Voici ce que nous pensons qui peut sortir notre pays de ce marasme dans lequel nous sommes aujourd'hui. » Nous donnons la solution, nous disons « Voici ce que nous pensons. » Et cette idée que nous pensons qu'il peut servir aux gens qui veulent diriger ce pays. Vous qui avez cette chance d'avoir un peu de pouvoir, vous pouvez vous en servir. Et j'en suis parmi les gens qui ont lancé justement le programme des 145 territoires. Malheureusement, il a été mal compris. Bon, regardez comment il a été donc exécuté. Donc, c'est pratiquement à côté. Est-ce que nous sommes sur le rail de sortir de ce que nous sommes? Quel est l'objectif? Où nous allons? Notre pays va où? Comment allons-nous résoudre les problèmes ensemble? Allons-nous encore donner notre pays à quelqu'un pensant que c'est lui qui va tout faire? Et tout ça, ce sont des questions. Et nous, ici à Contact Pro Life, nous donnons la solution. Nous nous disons, voici ce que nous pensons qui peut aider notre pays à sortir. Alors, c'est ça un peu Contact Pro Life. Donc, aujourd'hui, nous allons encore revenir sur cette solution-là, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Alors, comme toujours, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet, et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, Félix et le développement des 145 territoires. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élections-net.com. Nord Kivu, 15 autres civils tués par le M23 en plein parc de Virunga. Et puis RDC, IGF suspend toutes les opérations financières à l'OGFREM. Et Maniema, la société civile brise le silence sur le dossier Salomon Idi Kalonda. On va sur actualité.cd. Est de la RDC, le lieutenant général Farsi Kambwe chargé des coordonnateurs des opérations militaires au Nord Kivu. Sud Kivu, au moins 6 disparus dans un naufrage sur la rivière Kimbi à Fizi. Conflit communautaire entre Mbole et Lengola à Kisangani, le gouverneur de la Tchopo interpellé à l'Assemblée provinciale.
Congo Profond, programme Yali, des animatrices en contenu pour adolescentes et jeunes filles via le numérique formé à Kinshasa. L'INAFOOT, le tout-puissant Mazembe, tenu en échec par Don Bosco, Blessing bat l'US Chinkunku. RDC Alpha Jiri Energy confirme la signature du contrat de partage de production pour l'extraction du gaz méthane dans le bloc Mondjoufou du lac Kivu. 7 sur 7, Nord Kivu, les combats entre l'armée et le M23 endommagent les réseaux électriques du Virunga, électrique Virunga à grande partie de Goma dans le noir. Et puis Bakole battu, Kananga, la police mobilisée pour sécuriser Fayulu. Et puis on va terminer avec 7 sur 7 présidentielle. Katumbi soutiendra tout ce qui sera fait pour aboutir à l'unité du candidat de l'opposition. On termine par Radio Okapi, 6 civils tués par le rebelle ADF à Mambelenga. Denis Kadima à Séoul pour poursuivre la finalisation de matériel électoral. Rétablissement temporaire de l'électricité dans la ville de Goma. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis, d'abord une page très noire. Je devrais présenter mes condoléances à la famille de Serge Ouello, un combattant, un garçon bien qui s'est distingué dans le combat de ce pays. Il a apporté quelque chose dans ce pays. Voilà comment est-ce que quelqu'un part, et lorsqu'il part, on sent... Moi, je pleurais. À fleur d'âge, ce garçon nous a quittés. À voir ce qu'il a fait dans ce combat ici dans lequel nous sommes. Nzambe Kaka, que son âme repose en paix, parce que c'est quand même un vaillant combattant qui nous a quittés à fleur d'âge. Ça nous fait très mal. Il y a d'autres personnes aussi qui me posaient la question, mais pour Nani Nautier, ça fait longtemps quand même qu'Otier, Chéribin, Nassimanayon, Ezanini, Bandeko, vous ne pouvez pas comprendre cet homme-là aussi. Vous ne pouvez pas comprendre les relations que j'ai eues avec lui la dernière fois qu'il était ici à Johannesburg. Vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est là, je me suis dit, c'est impossible. Donc, ce sont là, nous avions perdu cette année des hommes vaillants, des hommes valeureux qui pouvaient. Papa Mokobien, Chéribin, Papa Mokobien, je l'ai rencontré deux fois. Et il m'a émerveillé. Moi, je ne savais pas. Il me suivait. Il m'a... Bon, ça c'est un autre sujet. Donc, mes condoléances à la famille de Serge Ouello, et toute la famille des combattants qui est au Bungi, si vraiment quelqu'un de très valeureux na kati ya combat na biso. Alors, nous allons parler un peu de... Ah, mon Dieu. Le combat continue donc. Nous allons parler aujourd'hui de deux grands sujets. Structure en Mboka na biso. Bandeko. Félix Azwaka Likambo Tanto Bandeko Lobelango, le projet de 145 territoires. Qu'est-ce que nous visions dans ce projet-là? Je pense que si vous me suivez, je pense que je vous ai même dit que il y a eu batuya miko ya minene o babande ko benga ngai mais olobini ni projet na to tinde la biso yango. Je dis que ezana dur projet na ezali boye. Non, quelles sont les grandes lignes de ce projet là? Qu'est-ce que vous pensez? J'ai dit suivez mes vidéos, j'ai dit que il faut rétrocéder le pouvoir au niveau de la base pour que tosili salikambwa kimoyibi. Il faut responsabiliser le peuple congolais. C'était ça le but. Le but, ce n'était pas aller construire quoi que ce soit. Non, ne faisons pas les choses comme les Blancs nous ont laissé.
Nous devions faire les choses autrement. Tokoka ko sala ngo autrement na ndenge nini. Bande ko ndenge nini ngo to yi ko sala autrement pona ko bongo la Congo ezala na confiance à bato. Il faut que les Congolais se sentent imprégnés à koloba ke non. Nazali ko sala la mboka na ngai. Et je suis redevable à ce peuple-ci. Ce qui n'a sali boy, voici ce qui m'attend. Ce qui n'a sali mbeba, voici ce qui m'attend. Nous devons nous organiser ce que le pays puisse avoir des responsables à la tête de notre pays. Et c'est ça qui nous manque. La responsabilité de ces gens-là est impliquée. Congolais a responsabilité. Nous pensons que et c'est ça, c'est resté dans nos têtes. Même les gens qui viennent na direction en Boka na biso au baza na pouvoir bazo kanisaka ke batu mususu ne mutu bakoya ko sale na biso. Donc nous sommes pratiquement des aliénés. Nous pensons que nous avons beaucoup d'argent que tokoya ko sale la batu mususu ne mutu bakoya ko sale na biso. En tout cas, les gens qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire aujourd'hui puissent m'excuser à dire que mboka oyo et kobongakana mutu moko te, que les gens ne vous trompent pas que c'est moi qui ferai ceci. La personne qui mettra en place un système que le Congolais sera redevable devant le peuple, c'est celui-là que nous chanterons comme héros. Mutu oyo akolakisa Congo miroir na lobi ba Congolais botala ndenge bozali. Regardez comment est-ce que vous devez faire. Ce n'est pas moi qui fera, mais regardez ce que vous devez faire. Bokanga mutu oyo azako yiba mbongo ya l'état. Botika moyibite. Que les voleurs soient punis. Que nous nous reconnaissions nous tous. Et c'est cela eloko wana ndezala ki le PIN de projet de 145 territoires. Et nous l'avions expliqué en disant que Elokoyo, Ekotinda Congolais, azwa consensus au niveau de la base. Consensus wana eza nini. Regardez par exemple ce qui se passe en Ituri aujourd'hui. Il y a les acteurs politiques, naba acteurs de la société civile, obaza ko conscientiser batu balobi te bandeko. Ça n'a pas d'importance. Juste que nous déclarons que nous sommes des Congolais. Nous sommes tous abattus à Ituri. Il est à Kinshasa. Regardez ce qui se passe au nord Kivu, disons au sud Kivu. Quelqu'un va se déclarer. Si vous voulez aller là-bas, il faut me contacter moi. Et ce monsieur, il n'est même pas là-bas, il est à Kinshasa. C'est ça le problème que nous faisons face aujourd'hui. La responsabilité de la population, on ne la sent pas. Je suivais aujourd'hui, encore une fois de plus, un ministre de plan. C'est pas, Baouélé là-bas. C'est un documentaire, une émission avec des journalistes. C'est là où je dis, voilà le grand problème. Le type, il combine, parce que na katia ba province na biso, okomona ministre moko, yende ministre, ministre provincial, yende ministre à justice, yende ministre, ministre à affaires, à plan, yende, il combine presque 4 ou 5 de ministères. Parce que en province, ils n'ont que 12 ministres. 12 ministères qui fonctionnent. Donc, dans le gouvernement provincial, nous sommes en province de Monaka. Il y a 12 ou 13 ministres. Donc, le gouvernement provincial, il y a 12 ou 13 ministres. C'est au gouvernement central de Moutouazan, dans le ministère Belé. Et voilà ce que nous combattions et nous disions que, Bandeko, ça doit être l'inverse. C'est-à-dire que le travail doit se faire au niveau de provinces pour que contrôlez à la malam ba contrôle mais type on a lobby nini a lobby que budget na bango ezala ki soki a 4000 soki a 4 milliards et tout ça et que jusque là bazako intervenir kaka bazako intervenir à 12% sur leur budget parce que celui qui est le ministère de budget il y a le ministère à plan il fait tout finalement.
Ça, c'est le ministre provincial qui parlait. Alors, c'est là où vous aviez, vous voyez que Moussala Nyonso et Sale Makakaka na Kinshasa, ça devrait plutôt être le contraire. Yakoloba, structure Oyo, Oeza na Kinshasa, Nde Ezala na pa province. Que les provinces connaissent autant de ministères, par exemple, na Toloba, ata 40 ou bien 35 ministres na ba province. Comme ça, au niveau de national, et Kozala déjà misale Salema qui na province, côté ministre, il y a gouvernement central, parce que ce sont eux qui enverront les grandes idées. Ils ont décidé car sur politique, mais l'exécution est à la base. Mais c'est le contraire qui se fait aujourd'hui. Et c'est là que nous avions dit le programme de 145 territoires devrait comporter à ça pour que batuna ba territoire na bango bazala déjà na musala ba yeba ke musala ezali na ba territoire pour que tout désengorgé provenant du gouvernement central bokomona ce qui misala ezo salema na sekuna na côté likolo misala ko zala sou mingi te les gens pourront se battre pour aller travailler dans les provinces et c'est là que les gens vont être contrôlés ba ko zala contrôler kuna parce que kuna ne toza ko tindika mbongo ebele toza ko récolter mbongo toza ko misala ebele sale makuna. Comment contrôler la population au niveau de l'intérieur et l'organiser pour que le travail se fait normalement? Justice, est-ce que vous pouvez comprendre bande konangai? Les sénateurs l'ont dit. Les sénateurs l'ont dit. Il n'y a pas de magistrat. Il y a pas longtemps, le président de la République a outaki kosa la nomination à ceux qui a 2500 magistrats. Mais Bazan, la province était. Ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Moussa les a kunate, Moussa les a na Kinshasa. Et à un certain moment, vous allez voir que même les gouverneurs de province, beaucoup de temps, il le passe à Kinshasa que Bassa est dans la province. C'est-à-dire que Moussa les a na province. Moussa les a na province, ce n'est pas que Moussa la gouvernement central a aucun de côté à Moussa la kuna. Non! Les gens doivent être là pour travailler. Il y a du travail dans les provinces. C'est seulement que nous avions Tolongola idée on a Koloba que non, la province qu'on a des misales à la caté. Le travail doit se faire là-bas. L'État n'a biso, ils ont une obligation à Koloba. Non, il faudrait par exemple que le gouvernement central puisse avoir tout simplement 25 ministres et que les gouvernements provinciaux pour que parce que côté kunane musala ezali ebele et que les gouvernements provinciaux tozala tocha kuna par exemple 45 ministres 50 ministres et que ce ministère là puisse être se justifier pourquoi kozala kuna. C'est ça justement la rétrocession du pouvoir au niveau de la base nande yango na nde pe schéma oyo. Et dans la constitution, il y a la décentralisation. La décentralisation, c'est-à-dire que les gens ont délégué les gens qui dans la province pour que tout désengorge le gouvernement central. Et que beaucoup de gens qui ont été le gouvernement central, c'est parce que les gens sont concentrés. Les peu d'argent qui vient de province, ils ont été gérés à Kinshasa. Et il faut attendre Kinshasa, Tindaba Mbongo. C'est cela qui est le grand problème de notre pays, Bandeko. C'est ça le grand problème. Nous ici, tout au départ, nous avions dit, please, Fachito Bandela Zero. Nous avions dit quoi? Nous avions dit qu'il fallait que Abenga Batu, Atindika Batu, chaque territoire va se prendre en charge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons aller nous réconcilier avec nous-mêmes de le départ. Nous devons d'abord assez à Batunyoso, Bakongolenyoso, Bakendekoye, Banana. Parce qu'il est difficile aujourd'hui d'avoir un consensus. Na niveau même à l'État, ici je suis dans l'État. Je ne suis pas dans les partis politiques ou quoi que ce soit. Je suis d'abord dans la structure de l'État elle-même.
to bongi sa yango, il faut to changer yango. Et pour cela, pour que nto kota na processus wana akoloba ke décision ya batu nyoso, to moni ke vraiment na ba province to sala eloko mokote, il faut to changer bizaleli na biso. Voici le changement que nous pensons qui peut nous rétrocéder le pouvoir. C'est ainsi que nous nous sommes dit. Les états de liés dont nous parlons ici, yako bengi sa ba politiciens, yako bengi sa ba congolais, ba kende ko solo la, na base, ezala ki ko signifie que non, les Congolais devraient aller se parler au niveau de la base. C'est de là que nous pourrions profiter, yako redynamiser même autorité à l'État. Parce que c'est ça l'État. L'État, c'est quand les gens se mettent ensemble en se disant, voici comment les choses vont commencer à se faire. Et nous, nous pensons qu'ici, na katiana ya ba province na biso, na katia ba territoire na biso, nous pensons que ce travail doit être fait ici et pas à Kinshasa. Comment est-ce que nous pouvons, quelles sont les prérogatives que nous devons donner au gouvernement central qui sera pratiquement responsabilité au gouvernement central et qui sera na sens à gérer biso. Et que nous ici en territoire, quelles sont nos prérogatives que le gouvernement central ne peut pas s'y mixer. Babilo quoi, il faut discuter en niveau à la base. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Les 145 territoires, batuna, katia ba territoire na bango, bakukaki kozwa déjà ba consensus kuna balobi awabiso. Voici ce que nous devons faire. Voici ce que nous devons faire. Et le quoi, elinga qui a engendré nini, elinga qui a poussé biso po, to pesa déjà ba responsabilité, par exemple à Koloba. Identifions tout ce que tous les Congolais dans leur territoire, dans leur milieu où, dans lequel ils vivent. Batouna Batouba, Miye Baba se prendre en charge en disant, ici au Sankourou par exemple, nous sommes autant de Congolais. Baz Nabiso Ezali Nini. Et c'est par là que nous allons définir Robité Batou, oh Bazali, Bazabandeko Nabiso. Alors, nous allons nous accepter tel quel. Bandeko, likambo o ezako utana fizi kuna tozolo ba o banyamulenge banini tout ça. Cette histoire n'a jamais existé. Et lo kwana e kokota kaka parce que venait à mabe e ko bandana baba politique na Kinshasa. C'est par là que tout cet état a commencé. Mais le peuple vivait normalement. Mais si nous avions déjà dès le départ une bonne politique de s'accepter en se disant, voici ce que nous pouvons appeler les Congolais de chez nous. Ah ouais, bato baza ba yomba, bato baza ba ndekonabiso, nous les acceptons tels quels comme des Congolais. Ah ouais, mutua botami, voici papa naebo, mwama naebo, azabo. Nous pourrions avoir une certaine maîtrise à batunabiso. Et c'est par là que nous pouvions nous dire que, awa, voici comment est-ce que nous pouvons nous entendre sur le problème, sur un tel problème. Voici comment nous résolvons nos problèmes ici. C'est comme ça que nous nous sommes dit, le développement des 145 territoires devrait aboutir à l'identification de la population prise par le territoire eux-mêmes, les gens qui sont dans les territoires en s'identifiant eux-mêmes. C'est ça le pouvoir au fait que nous parlons de la rétrocession. C'est cette rétrocession dont nous avions demandé à ce que le président Félix Tshisekedi puisse adopter. Et le Kokaka même Kokosili Samakambu, il y a insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que moi je considère, quand vous regardez ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, Baguer wana nyoso e utaka nini na nini na problème identitaire auto solvate. C'est le problème de l'identité congolaise qui est à l'origine même à Batubaza. Nous n'avons jamais résolu ça. Totika la ka koloba ba congolais biso nyoso toza ba tata moko. Maintenant, les conséquences est là quoi, nous avions invité les infiltrés. Nous ne savions plus finalement nani ndaza congolais te. Nous pensions que non, les États-Unis, Batunyo, surtout Bayaka, non, nous devons construire ça, mes frères. Et là, quand on a Batubatiaka, la fondation à Koloba, même si les gens viendront chez nous, mais nous les accueillerons comment? Quel est le principe qui va nous faire à ce que nous puissions respecter nos papiers? Texte Nabiso. Principe ni nango tolandaka, ou ekotindi kabiso vraiment que to respecter ba texte Nabiso. Quel est le principe que nous suivons? Aujourd'hui, vous allez entendre les gens que non, les Congolais ne respectent pas les textes. J'ai été sidéré, par exemple, dans le Likambo et à la Cour constitutionnelle.
Moi, je pensais vraiment qu'il y aura des gens, selon la loi, qui seront destitués ou bien parce que la Cour constitutionnelle a validé la candidature. Moi, j'étais sûr parce que nous lisons tous les jours la Constitution. Nous lisons nos lois. Et voir la Cour constitutionnelle faire ce qu'il a fait, c'est là où je me suis dit, nos institutions ne respectent même pas les lois. Pourquoi Bazakuna? C'est comme ça qu'on peut se réveiller aujourd'hui, on arrête quelqu'un, quelqu'un fait en prison 12 mois sans être jugé, quelqu'un peut faire ce qui va atelier 3 ans, comme il y a ça, 3 ans et demi et 6 mois, même 4 ans. Je parle ici de notre grand frère Barnabé qui est incarcéré à Makala là-bas. Donc, le principe de base doit être reconstruit. Nous devons reconstruire notre pays par la base. C'est ça notre idéologie ici à Contact Pro Life. Nous nous disons, si nous pouvons aller sur la reconstruction de ce pays au niveau de la base, et comment le faire en appelant les états de lieu de chaque territoire. Et cela doit se faire en même temps. Nous devons nous dire, pendant ces 3 mois ici, voici tout le monde dans chaque territoire, bokende ko solo là. Et que ma solo na bino wana eza eloko ko préparer Congo ya sika. Nous devons préparer un nouveau Congo qui sera rétrocédé, que tous les Congolais puissent savoir que non, ba fonction na ngai e bandi awa et s'occuper awa. Au-delà de ça, moi je ne peux rien faire. Comme étant président de la République, je ne peux pas être en même temps le gérant. Je ne peux pas être en même temps la personne qui initie les projets ou bien qui vont... Non, ce pays ne m'appartient pas. Et c'est là où nous avions failli. Le président a lancé le programme de 100 jours. Le président a fait ceci en négligeant qu'il y a un premier ministre. Mais comment est-ce que nous allons rentrer? C'est par là le grand problème. C'est par là que nous devons commencer. Pourquoi est-ce que le président de la République doit être celui qui va lancer, non, il va promettre, non, nous allons vous construire ceci? Quel est le rôle finalement du président de la République? Finalement, au Congo, on ne sait pas. Est-ce que vous allez entendre, c'est la vision du chef de l'État. C'est la vision. C'est comme si les Congolais, tous les Congolais travaillent pour le chef de l'État. Ba Congolais nyonso bazaba sujet ya chef de l'État. Et c'est ainsi que lui-même, il va avoir des milliers de conseillers. Donc makamunso sous chef de l'État salaka, le gouvernement ça, ce sont la gestion de pays moderne. Nous ne pouvons pas rester archaïque bandeko. Mboko eza mboka ya président de la République te. Mboko eza mboka ya bisonyoso. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Il faut absolument que biso ba Congolais totala na namiso to loba. Effectivement, il y a un problème. Nous ne pouvons pas continuer de cette manière ici. Na modèle otoki ko continuer te. Regardez ce qui est en train de se faire. Ce sont des rumeurs, nous ne savons pas. Ça va se conclure lorsque nous allons le voir. Que non, Seni Ezakolinge Sololana, président de la République, pour trouver un compromis. Et on laisse le peuple congolais comme ça. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Le projet de 145 territoires, Elinga Kezala, projet Moko, il a engagé tous les Congolais à tous les niveaux. Bandeko, c'est à ce moment-là que nous aurons à être responsables. Yakoloba, non, c'est vous qui devez gérer. Mbongo oto pesi awa, voici comment vous allez le gérer pour que. À ce moment-là, batunyo sotu bakoloba, ok, organisons-nous. Ezali kambakoyi bate, voici nous avons autant. Quelles sont les priorités que nous devons d'abord avoir dans les territoires? Quelles sont les priorités qui sont dans les territoires? Nous avions dit. Na ebandelia tant to bandaka to lobby président pour que initier lokoana. Mais quand on attaque ça la donc un bal de c yakoloba na meka
kota la soki bato yo bako komande ou bien a forcer bato ba kende na direction oyo. Et là nous avions dit doter d'abord chaque territoire de 10 millions de dollars, 10 millions de dollars. Mingité. Et comme ça, vous allez voir les territoires gérer maintenant ces 10 millions de dollars en disant, voici ce que vous allez faire et aider Batouana Bakende. Organisez-vous pour que vous nous fassiez sortir et 10 millions de dollars. Et bien, Batouba Zalana ébauche, il y a constitution. Batouba Bimakuna, Bayeba, va se mettre d'accord sur la constitution, sur modèle Oyo. Discuter sur la nouvelle constitution, c'est-à-dire que Batou Oyo, les 300 personnes dans chaque territoire qui devront siéger pour que bah discuter Makamboa, recensement Makamboa, une identification et que tous ces gens-là puissent être préparés pour un texte vraiment original. Bayokana, que tous les tribus se mettent ensemble en disant nous reconnaissons, voici ce que nous reconnaissons, voici combien nous pouvons avoir Batou Ninango Bakosa Lanine dans chaque territoire. Ça, c'était le chemin que nous avions dit. Bien sûr, il y a Batou Ebele, Batou Yepsenga, et que non. Batou Anasoko, Pesi Bango Mbongo, et que ça l'a bien été. C'est comme ça que nous sommes aliénés. Et Zako Tindika, jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que nous allons nous faire confiance si nous ne donnons pas confiance? Tokomiko Kende Mbongo à 145 territoires, c'est la BCECO, ce qui est agence onisienne, et nous avons géré Ango. Donnez l'argent aux gens. Batou Anabako Lamouka. Moi, j'ai vu des territoires, je crois côté à Kayaya, na côté à Luala, Bakuna, ba territoire Oyo, ils se sont organisés même vers les l'Ituri là-bas. Il y a des territoires où tant au Bazakozwa, moi rétrocession, ya banane, ya ba minoana, ba s'organisent. Ils sont en train de s'organiser petit à petit. Voilà, mes chers amis, nous continuerons toujours à émettre ce genre de d'idées pour que Batoyo Bazakoya na pouvoir baye bakeno. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelle est l'importance de ce développement de l'arrière-pays? Et donc, ici, avant de terminer, je voudrais encore une fois de plus, continuez à vous abonner. J'ai été très émerveillé à Komona Keno. Bozako s'abonner. Mais continuez pour que. L'objectif, c'est d'atteindre beaucoup de gens et que tu es belé, tu es belé, tu es belé. Contact Pro Life, c'est une idée que nous sommes en train de lancer. Nous ne sommes pas un média d'information. Tu réagis à la réaction lorsqu'il faut réagir à des sujets spécifiques. Tu es un point de vue. Par exemple, cette semaine, je crois, l'Obi Torosa, la réaction sur les élections. N'a pas candidature commune. Ne manquez pas. C'est pour cela, continuez à vous abonner sur cette chaîne et continuez à m'appeler pour que nous discutions. Tolendi sa idée ensemble. Babylon ko ebele ta on azako yo kaboza ko benganga ezako corriger pe un modèle oyo idée zali. Voilà, on termine par là en disant encore merci une fois de plus pour tous ceux qui m'appellent et pour tous ceux qui sont en train de s'abonner. Donc, nous allons poursuivre et on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.